les microbiotes, vous êtes avec le doc. Donc on est sur un autre pot que j'ai inoculé il y a quelques temps, vous voyez déjà du blanc, on va appeler de la mycorhize, je pense que c'est à ça que ça correspond. Et vous voyez ce champignon qui est sorti, parce que la terre elle est inoculée. Donc le symbiote se consomme autant pour les êtres humains que pour les animaux et les plantes. Rend la terre extrêmement riche en vie, en contre les microbiens, puisque c'est une solution microbienne. Le symbiote, si vous mettez dans vos plantes, ça fonctionne très bien aussi, il n'y a pas de problème, vous avez des résultats. Mais le but étant de consommer pour devenir un holobionte, hein, on aura-tu la symbiose ?